Allez, bonjour à tous et bienvenue. Salut, salut. Bonsoir, RXVNN. Ça manque un petit peu de voyelles dans ton pseudo. Salut, Johan. Salut, salut. Forever Star. Johan, coucou. Hello, hello. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur Holy Cube. Et salut Gilgin, mes flowers, bonsoir. Bonsoir à tous. Et bonsoir à vous sur YouTube pour la rediffusion de ce magnifique, splendide, merveilleux, merveilleux live. On va commencer par, comme d'habitude, multiplayer, Holy Cube, clac. On est parti. Est-ce que les copains sont là? Hey, salut, bienvenue, merci pour le follow. On va se mettre. Hop là. Il y a un petit souci. Non, vous entendez tout? Tout va bien? Est-ce que vous entendez bien le live, la musique? Est-ce que tout est OK? Ah, ça charge. Impeccable. Hop. Ça creuse, hein? Ça creuse sur les cubes. Et salut, Ice Rake. Hello, hello. Salut, salut. Je vérifie toujours que j'ai bien mes élytras avant de sauter. Normalement, la dernière fois, avant de me déco, j'ai déplacé tous les coffres. Donc théoriquement, je pense que ça a même pas creusé en fait depuis. Hein. Faire coucou. Et mais il y a presque personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur les cubes? Impeccable. Comment allez-vous? Tout va bien? Un petit dimanche soir posé. Et salut, SL. Et une chaise à quatre pieds, salut. Ça fait plaisir de revoir les pseudos connus, hein. Gilgin, chaise à quatre pieds, mes flowers. Salut à tous et bienvenue. Donc merci hein, Philippe 16 1607 1607. Bienvenue. On va commencer par faire un petit peu d'entretien. On va aller voir les fusées. On va aller voir au niveau du magasin. Et puis comme vous le voyez dans le titre, alors déjà. J'ai commencé à rajouter des commandes. Oh. Comme d'hab. Ça y est, je suis un liveur professionnel. Je rajoute des commandes dans mon chat. Un truc de dingue. Quel progrès. Quel progrès de fou. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est cool. Impeccable. Tout va bien, salut démon, démonas, hello hello. Ah, vous voyez, ça fonctionne. Magnifique. Yep, c'est good. Ça, on est bon. Alors, est-ce que j'ai un petit peu de réserve, je crois. Hein. Oh, pas grand-chose. Niveau 1, ah, niveau 3, j'en ai. Parfait. Ah, est-ce que vous avez vu? Ce magnifique portail, ce magnifique organique. Hop. Ah, niveau 3, on n'en a pas perdu tant que ça. Hein. Bah, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Je pense que des niveaux 1, il va falloir que j'en fasse quelques-uns. Et puis en termes de gestion du stuff, oh, pas énorme non plus. Ça va. Ça va, ça va. L'image du château est superbe. Oui, hein, c'est beau, hein. Et on est en train de bien bien avancer, je trouve. Dans la faction gothique, là, on a un bon rythme. On s'est rendu compte qu'on est. Oh, désolé pour le bruit. Qu'on était tous un peu fans de build, mais de choses assez différentes. Et la combinaison du tout,
je trouve, fait quelque chose d'assez extraordinaire. On a vraiment des... Bon, je sais pas si c'est des talents, mais... Des envies assez différentes concernant le build. Et comme on cumule tout ça, en fait, ça je trouve que ça rend vraiment, vraiment super chouette. 1, 2, 3... Tac. Allez, quelques fusées. Pas besoin de faire beaucoup plus. Voilà. Et on va être parti. Alors je sais pas si je pars en créatif et que à ce moment-là je vais j'aurai la possibilité de faire beaucoup plus de choses. Ou si je reste ici. On va voir ça. Je sais pas si le château a suffisamment avancé en fait pour que je puisse. La commande. Juste un coup de raccourcisseur d'URL. Ah ouais, c'est possible. Effectivement, ça pourrait faire du bien. Tout à fait. Hop. En tout cas, moi, bon petit week-end. Petit week-end AFK. Et donc, on se rattrape. On se rattrape ce soir. Zou. Le château commence normalement à avoir une bonne tête. Haha. Alors, il y a l'emplacement ici pour que je fasse une de mes statues. Juste ici, là. Je vais remplacer, en fait, cette espèce de petite protubérance par une gargouille. Sauf que je dois pas avoir les matériaux pour le moment. Et on va avoir aussi également un grand pont qui part ici dans cette direction là. Donc on va avoir besoin de pas mal de statues. Hein. Est-ce que je n'avais pas fait, est-ce que je dois faire de la dernière fois? Presque. Je m'entraîne pour les virages. C'est de faire ce petit hippocampe. On avait fait un petit vote hein, la dernière fois dans le chat pour savoir lequel on gardait des deux. Et alors visiblement, on est parti pour garder l'hippocampe qui se trouve de côté. Donc celui-ci. Donc il va falloir casser ça. D'ailleurs, je pense que ça va... Ah non, en silk touch, c'est bon, on peut le récupérer. Voilà, et puis le remettre dans le bon sens. Du coup, que les deux soient orientés sur le côté. J'ai tout récupéré. Parfait. Donc on va faire ça. Théoriquement. Tac. On va déjà orienter donc ce joli petit hippocampe dans le bon sens. Et puis après on va réfléchir. J'hésite en termes de statut. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Oui, la gargouille est déjà designée. Oui, elle est sur le créatif, sur le Sama World. Ouais, clairement, on a une bonne association de pour la faction. Hein. Top complémentaire. Exactement. Et donc. Ouais, complémentaire dans le sens où surtout les autres creusent et moi non. Ça me convient ça. C'est moche, hein. C'est moche. Je suis pas fier. Tac, je monte de 2 et ensuite petite tête sympa. C'est cool. Alors moi, ceux qui me connaissent un petit peu, ceux qui connaissent la chaîne YouTube, hein, sachant que vous n'êtes pas forcément très nombreux parce que j'ai raté la dernière saison, la saison 5. J'étais occupé, j'avais piscine. Donc j'adore faire des statues. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir avec les maçons, je faisais quasiment que ça. Petite obsession. Tac. Bah tiens, c'est bizarre, je vais avoir un escalier en trop. Qu'ai-je fait? Ça, c'est comme quand vous montez un meuble Ikea.
Eh oui. Forcément. J'allais dire, vous avez toujours une pièce en trop, mais non. Non, pas là. Ah là là. La tour à meubles en diagonale, tout à fait. Etherstar, c'est ça. C'est moi qui avais fait cette magnifique œuvre d'art que j'appelais très subtilement les chiottes à meubles. Parce qu'il y avait une sorte de siphon en fait. D'ailleurs, c'est une tour que j'avais faite juste avant la sortie des observeurs, et quand les observeurs sont sortis, cette tour a été reproduite en masse. C'est devenu la tour à meubles standard en fait. Les dauphins sur l'Atlantide, tout à fait. On a une vidéo absolument exceptionnelle sur la chaîne YouTube. Le lien doit passer de temps en temps. Oh, regardez, synchro. Le Wizbot me la balance. Et avec les maçons, on s'était vraiment énormément amusé avec ça. La vidéo est exceptionnelle. Ce serait quand même sympa de se refaire un petit live maçon de temps en temps. Parce qu'on faisait des trucs vraiment topissimes. Bah, sympa comme ça. Voilà. Ça rappelle le côté aquatique. Je ferais bien ça d'ailleurs, parce que les gargouilles sur le toit, c'est pas forcément très aquatique. Mais bon, après, c'est un temple. Un château, cathédrale, temple, qui correspond à peu près. Qui correspond à plein de thèmes en fait. Donc c'est pas grave si on a des statues qui sont aquatiques et d'autres qui ne le sont pas. C'est quand même pas mal, hein. C'est très très chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beau. Un cathédrale, exactement. C'est ça. Nosweni, c'est ça. Mais ça va être cool, je pense. De profil, ça rend pas mal. Moi, j'étais assez partant pour les faire de face. Mais finalement, de profil, c'est joli comme tout, hein. Mais ça, c'est vital, c'est essentiel. Je sais pas, quand on build quelque chose de magnifique comme ça, c'est pas possible de pas y mettre des statues, en fait. Clairement, hein. Bon, après. Parce que là, théoriquement, toutes ces zones-là, là, tous ces petits trucs-là, c'est des statues, hein, sur les châteaux ou dans les cathédrales, en règle générale. Donc là, je vais en faire une énorme ici. Je sais pas si je fais pas un time-lapse que je mettrai sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube, on verra. On verra, on verra, on verra. Mais ça va être compliqué là, parce que le château, vous n'êtes pas prêt, hein. Ça monte jusqu'à la couche 320. Ça va être quelque chose. Et merci beaucoup, Monsieur Port 28. Et Jojo le Farmer, il y a 1 minute, désolé, j'ai raté. Watch, Shama, Khalit, Emily. Salut, salut. Bienvenue. Je suis pas un très bon streamer encore. Faut que je m'améliore au niveau du timing. En tout cas, c'est super gentil. Merci pour tous les follow. C'est super cool. Donc voilà. Au niveau statut, ça avance. Et il nous en faudrait en fait. Et c'est pour ça que ce soir, je pense que je vais aller sur le créa plutôt. Il nous en faudrait, on va avoir un pont qui va partir ici. Et je pense qu'on va avoir 2 belles statues, juste ici. Ou... Alors un peu dans ce genre-là, on va avoir des espèces de tours. Alors je sais pas si... Je pense pas qu'on va faire les tours. Alors du coup, pour faire l'entrée du pont qui va partir de l'autre côté. Ce serait sympa d'avoir 2 grandes statues. J'aime bien ce genre de déco supplémentaire. Ça. Hop là. Ou par là. On peut le faire ça? Tiens, d'ailleurs, mon cheval est encore là. Je vais peut-être le retirer quand même. C'est chaud, hein? C'est super chaud, certaines statues, de pouvoir faire. Quelque chose qui ressemble à un animal en 5 blocs de haut. Bon, de loin alors. Hein. Sinon, tu fais du roman. Ouais, c'est ça. Tu fais la sirène aussi ce soir. Ah, c'est pas une mauvaise idée, Priscilla, effectivement.
Un T-Rex, ce serait cool ça. Ieriksen, je sais jamais comment prononcer ces pseudos-là. Mais un T-Rex, c'est pas du tout dans le thème. Mais ce serait sympa. Ce serait sympa. Un organique de baleine qui saute par-dessus le pont. Ce serait classe. Ah, j'ai fait un truc un peu comme ça sur Planet Minecraft. J'avais fait un des concours de Planet Minecraft, c'était de faire une... je crois que le thème, c'était la pêche, je crois, un truc comme ça. Et j'ai un énorme saumon qui saute par-dessus une cabane, complètement disproportionné. XN Iron. D'accord. Un petit T-Rex. Ah, là, ça, cette statue-là, ça fait un peu T-Rex. Ouais. Vélociraptor, alors, peut-être. C'est vrai qu'ils ont ils ont quelque chose d'un peu... Bon, c'était censé être une sorte de cheval, mais bon... Certes. C'est pas évident, je suis d'accord avec vous. Après... Le challenge, il est là, quoi. Je trouve que faire une statue de 100 blocs de haut, c'est facile. Sincèrement, hein, je pense qu'il y a moyen de faire énormément de détails. Enfin, c'est... Faire une statue de 5-10 blocs de haut, ça, c'est chaud, quoi. Il faut très... très ingénieux. Là... faire un hippocampe comme ça, je sais même pas combien de haut ils font... 2, 4, 6, 6 de haut. Bon, ça va parce que c'est un petit animal. Un cheval, déjà, de 6 de haut, c'est chaud, hein. Bah, vous venez de le voir, hein. Pas évident. Ah, tu l'as vu, le saumon. Super, Fredo le ouf. Coucou, Fredo, comment ça va? Et bienvenue, SLR, Skyzox. Bienvenue sur la chaîne. Et merci pour le follow. Aether Star. Aether, encore, on comprend le truc, ça va. Et bienvenue Romain, Romain21, salut, salut. Hello, hello. Bon, allez, on va bosser un petit peu, non? Hop. La statue, je la ferai plus tard, je pense. Là, j'ai vraiment envie de poser des cubes, donc... hop. Super Sama. On va essayer de rien spoil, hein. On va se mettre un peu à l'écart. Hop, 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 hop. Je suis où, là? Hop, là. Oh, oh, oh. Tiens, c'est bizarre, ça. Je suis arrivé dans un endroit qui ressemble énormément à la zone classique. On va se mettre un petit peu à l'écart et on va poser nos statues. Je les copierai ensuite. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, les commandes. Ouais, tout est là, impeccable. Tiens, bah, on va voir. Hein. On va peut-être se mettre à l'endroit où il y a mon château, théoriquement. Je pense pas qu'il soit copié sur le monde. Normalement, j'ai rien spoil, hein. Et vous allez, pour preuve, sur le Summer World, vous allez voir que je ne fais rien en créatif pour ma base personnelle. Regardez. Il n'y a même pas le château. Ça va être sympa de faire un avant-après. Il n'y a même pas mon donjon. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je savais qu'il y avait un espace ici où on aurait la place. Ah, il y a du monde! Tech. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Et qu'est-ce qu'on fait, surtout? Oh, de la calcite, peut-être pas. Hop. J'aime bien l'andésite. Bosser avec de l'andésite, c'est sympa. Je l'ai déjà dit dans un live. Et salut, Slyrak. Et merci pour le follow. Salut, salut. Bonsoir, la France. Salut, Redstone. Bonjour les amis du Canada. Eh oui. Donc, andésite, on va se prendre un petit peu
peu de tout en andésite poli comme ça. Ce qui est sympa avec l'andésite poli, c'est que vous voyez bien les blocs. Vous pouvez, en remettant la rediff au ralenti, vous allez pouvoir reproduire la même statue. Enfin, au ralenti, même pas au ralenti, hein, vous allez voir. On va voir si on construit vite, déjà. Et si on fait un truc raisonnable. Parce que ce sera peut-être pas suffisamment propre pour pouvoir le refaire sur le serveur, on verra. Qu'est-ce qu'on fait ? Un poisson ? On reste dans le thème ? Alors si vous vous connectez sur le Sama World, forcément, hein, on va pouvoir se faire coucou en jeu. C'est plus réel que de dire un bon pseudo, forcément c'est pris. Ben oui, forcément. Alors j'ai hésité, mais effectivement, avoir un pseudo que avec des lettres, c'est faut avoir un pseudo qui soit jamais pris, quoi. Et oui, on fait une statue. Salut, salut. On va s'amuser un petit peu, on va build un truc sympa, je pense. Je ferais bien une sirène, effectivement, c'est une bonne idée. On va suivre Priscilla, je pense. Alors peut-être pas poser des escaliers au début. Alors une sirène, ça fait ça à peu près, hein. Voilà. À la louche, hein, c'est pas une science exacte, hein, comme on dit. Peut-être un petit peu plus grand. Donc on aurait le corps de la sirène et la queue de la sirène. Ça vous semble comment, ça, pour l'instant? Pas mal, non? C'est pas plus compliqué que ça, faire une statue. Faut pas se stresser. Je la verrais bien se tordre un petit peu. Voilà. Se pencher un petit peu d'un côté. Et avec sa tête, du coup, qui reviendrait un peu comme ça. Non? Les épaules seraient à peu près à cet endroit-là. Hop. Ça pourrait faire un truc sympa. Ouais, hein? Elle se tord de douleur. Ah, une huître! C'est pas mal, ouais, effectivement. Ça pourrait être sympa. Ah, tu as envoyé par mail. Ah, super, Priscilla, c'est cool, ça. Ben, je regarderai ça. Mettre son message en avant en utilisant des émeraudes. Eh bien oui, c'est vrai qu'il y a des points de chaîne. Vous pouvez les utiliser pour que je vois bien... Ah oui, ah, bon, là, il est bien sorti, ton message, Priscilla. Du coup... Eh bien, écoute, pas de soucis, je regarderai ça. Je vais regarder ça. Bon, elle est un petit peu maigre, cette sirène, quand même. Bon, forcément, à terme, il y aura... Ce sera quelque chose comme ça, hein. Évidemment. Alors, peut-être pas... ça fait un peu court, ça, non? Hop, pauvre petite sirène. Et oui, peut-être épaissir un petit peu, parce que là, clairement, elle va avoir un corps dans ce genre-là. Vous croyez qu'on va y arriver? Peut-être la faire un peu plus haute, quand même. Pauvre sirène. Ce qui serait sympa, serait presque qu'elle tienne quelque chose. Hop. C'est mon fils qui tape sur l'ordinateur. Ouf. Voilà. Hey, salut Rogeric Vic. Bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Un gros ordre organique sur le lac artificiel autour du futur pont. De le ouf. Ah, tu crois, il a pas assez de... Pourquoi une femme, d'ailleurs? Pourquoi on ferait pas un homme? Un homme sirène. Qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Hop. Ce serait quand même sympa d'avoir un truc un peu qui revienne, quoi. Peut-être un truc comme ça.
Pour l'instant, on fait la forme générale. Je devrais pas d'ailleurs poser des escaliers. Hein. C'était. On fait un peu la forme générale. J'aimerais bien, peut-être plus grand hein, quand même. J'aimerais bien. Ouais, faire un homme. Faire une sirène guerrière. Ce serait sympa ça. Du coup, il tiendrait une espèce de harpon. Ça pourrait être rigolo, ça. Et puis le même en miroir de l'autre côté du pont. Genre, si vous passez par là, c'est à vos risques et périls. Hein? Tout de suite. Là, on fait vraiment le fil de fer pour s'imaginer à peu près le truc. Un triton, du coup. Ah, c'est le terme technique, ça, Jacek? Ouais, plein de muscles. Triton, ah bah apparemment, orca, oui, au crâne. Au crâne 23, un homme poisson. Une sirène, un de chaque. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. J'aime bien le système de miroir quand on est à. J'avais fait ça à l'entrée de la cité elfique. Deux hommes qui avaient une lance en fait, et les lances se croisaient, ça barrait un peu la route. C'était rigolo. Ah, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa. Donc du coup, plus épais alors. Hein. Quelque chose comme ça. Même là, au niveau des épaules, il va falloir un truc plus, plus hardcore. On va remplir au fur et à mesure pour la forme. Ça me paraît pas mal quand même. Hein. La queue, il faudra adapter un petit peu. Hein. Mais en tout cas, si on est en face, je pense que la position est pas mal. Faut agrandir cette partie-là. J'aime bien l'idée du corps un petit peu penché. Un petit peu plus même. Hein. Je pense qu'il faudrait... Faudrait pas hésiter. Un trident enlarge. Oui. Non mais là c'est juste l'idée. Hein. C'est juste le fil de fer. On va lui faire des épaules un peu plus costauds déjà. Parce que là clairement. clairement ça le fait pas. Il a besoin de prendre des vitamines là, pauvre triton. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Je me demande même si je vais pas rehausser un petit peu les bras. Faire plus haut. Bon, en général, ça vient assez vite. La forme... On a dit pencher plus vers l'avant. Hein. Vraiment, vraiment pencher. J'aimerais bien un truc très, très dans l'action, quoi. On a vraiment la sensation de... Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça, pencher vers l'avant comme ça, et encore pencher. Vraiment avoir le corps un peu de mouvement en fait. Plus vous faites les choses de travers, plus alors dans ce sens là par contre il va falloir améliorer un petit peu je pense. Lego Blue Enlarge. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais le harpon. Ah oui, les cordages. Oui, je vois. Comment ça s'appelle ça?
Toc toc toc. Ici aussi, je peux le mettre dans ce sens-là. Je pense qu'on peut faire un truc qui remonte pas mal. Bien penché. Hop. Ici, je verrais bien, on devrait être à peu près au niveau de la tête. La tête, on avait dit ça. Et puis là, des bonnes épaules. Même limite, les triceps, c'est ça. Hein. Voilà. Les escaliers comme ça, ça marche souvent bien. En fait, on fait les muscles qui sont juste au-dessus des épaules, autour du cou. C'est bien costaud comme ça. Ouais, ça peut être sympa. Bon, là, le bras va être beaucoup plus loin que ça. En gros, il faudrait qu'il vienne comme ça. Ça peut être sympa, ça peut être cool. Un filet, carrément. Oh là, ça va être compliqué peut-être. Je crois qu'on n'est pas parti sur assez grand. J'aurais peut-être dû voir plus large alors. Parce que là, on est... on est parti sur... On est parti sur une taille à peu près classique pour une statue. Peut-être un tout petit peu plus large que l'habituel. Mais... bah ouais, c'est... Alors c'est marrant, la position, ça me fait penser un petit peu à sur la saison 4, la saison aquatique de Holycube, j'avais fait un Zeus au niveau du spawn. Et c'est un petit peu l'idée, le bras en l'air comme ça... peut-être une slab ici. Bon. Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Touk touk touk. C'est les haubans pour les cordages du pont, d'accord. Merci Google. bah, ça dépend du style qu'on veut donner, effectivement. Si on lui met quelque chose dans la main, ça serait la main. Je sais pas, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. La main, il porte un truc en l'air. Les doigts sont plutôt comme ça. Tac, tac, tac. Quelque chose dans ce genre là. Tac, tac. Ça pourrait être sympa. Hey, coucou. Ça va, mon Dave? Ça va, et toi? Ça va. T'es où là, mon pépère? Je reviens de mon petit week-end et je suis sur le serveur créatif. Ah, je me suis éloigné pour rien spoiler. Tu spoiles pas au moins. Eh ben voilà, c'est ça. Je me suis éloigné, comme ça je spoil pas. Je me suis mis loin même, hein. Je suis à l'endroit où est ma base. Hein, donc, d'accord. Et on s'amuse, on est en train de voir. Hein. Je vois avec le chat quel genre de statue on fait, mais ils veulent que je fasse un T-Rex. Alors, je sais pas si ça ira avec le thème. Non. Tiens, Iron, ça va pas être possible. Ça... mais sinon, tu peux quand même faire un T-Rex pour rigoler, mais on mettra peut-être pas dans la construction. Ah bah non, alors. Non. Si je fais un T-Rex, on l'intègre. D'accord. Bon, on l'intégrera, je sais pas. On fera pas de T-Rex alors.
ou dans une cave sous-marine, tu sais, qu'on aurait découverte, qui est là depuis, tu vois, 20 millions d'années, et du coup, c'est voilà. Ça, c'est ça, le pauvre, pauvre T-Rex. Ah, sauf que je crois que c'est 65 millions d'années, les dinosaures, si Oui, je me rappelle bien. c'est, ça Ah, remonte, mince. hein. Ça remonte, ça remonte. C'est même incroyable. En fait, on a du mal à s'imaginer 65 millions Et d'années. oui, non, mais c'est en termes d'évolution, c'est un. Ouais, non, mais on peut C'est même fou, pas hein. s'imaginer, en fait. On parlait de Cro-Magnon la dernière fois, même ça, même 45 000 ans, Bah même ça, oui, même 50, ouais, 45 000 ans, c'est. 50 000, ouais, c'est déjà incroyable. C'est déjà, on a du mal à s'imaginer. Quand tu penses que Jésus, c'était il y a 2000 ans, ça paraît avant-hier, en fait, tu vois. Et puis, Ouais. enfin, les Romains, premier siècle, voilà, ouais, il y a 2000 ans, quoi. Donc tu te dis. Ah, ça pique, hein. Ça pique, ça pique. Ça L'histoire. paraît tellement loin, alors qu'en fait, c'est tout proche qu'on compare aux dinosaures. Bah, C'est disons fou, que c'est quoi. l'histoire. C'est quelque chose que notre civilisation a gardé en mémoire. Donc déjà, C'est ça, c'est c'est ça. proche, quoi, pour nous. Ouais. Ouais, mais quand tu penses qu'en fait, même si tu remontes dans les premiers écrits, on est, les tout premiers écrits, on est dans les 5000 ans, quoi, tu vois. Ben Donc, oui, mais par rapport à c'est ce qu'on a, ouais, par rapport à Cro-Magnon. comparé à l'histoire de l'humanité, c'est que dalle, quoi. C'est non, c'est sûr. Hein, on est au début de l'histoire de l'humanité, en fait, quand on y réfléchit. Et peut-être même à la fin. Ta gueule. Voilà. Alors, si tu commençais comme ça à être négatif et à dire voilà, ça y est, c'est la fin du Non, monde. pas négatif, tragique. Ouais, Le c'est pas tragique, obligé, c'est ce c'est qui pas. nous permet d'avancer aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En se disant, oh là là, ça va être la tragédie si on s'arrête pas là. Eh oui, sinon, sinon quand on fonce dans le mur, qui dit qu'il faut freiner? Bah, c'est ça. C'est ça. Ah, j'aime bien son biceps un peu baissé comme ça. Là, non. Ok. Je me lèverai tard. Bon, ok, d'accord. Bon, j'irai si jamais vous sortir. Je ferais bien une position un peu plus défensive. Hein. Je vais. Bon, déjà, il voulait une vraie sirène et je fais un guerrier. Je fais un homme sirène. D'accord. J'ai refait tout mon setting de bureau, là, je sais plus Ah ouais? comment on dit ça. Ouais. Ouais, c'est cool ça. On va Ouais, partir un je suis peu trop content. zéro. J'ai un écran 27 pouces central Aïe. avec deux 24 pouces sur les côtés. Je peux te dire que c'est la première fois que je joue sur un 27 pouces. Ouais, ça doit C'est être vraiment du impressionnant. bonheur. Ouais, c'est super. Oh là là, quel bonheur. Hein. Tu Non, m'étonnes. c'est bien, ouais, c'est bien. C'est super. Bon chat. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il est un peu trop penché en avant, en fait. Je pense que je vais le. Ou alors, c'est sa lance. Ouais, je t'embête pas plus longtemps. Ah, mais pas de soucis, pas de soucis. Je sais que je t'embête pas, mon taf. Je Ben te non. fais des gros bisous, je te souhaite Yes. une bonne soirée. Bonne soirée, bisous. À tchou-tchou. Ciao. Hop. En fait, je le verrais bien. Ça fait un petit peu comme un guerrier qui est en mode défense. Faudrait rapprocher cette main-là, en fait. Hop. Ah, c'est pas mal là. On commence à avoir un truc sympa là, je trouve. Bon, le bras est encore à travailler. Hein. Peut-être une slave ici. Et en fait, non, il devrait être au-dessus. La main devrait être comme ça, je pense. Comme ça aussi. Non, ça va faire bizarre. Donc en fait, ça devrait moins descendre que ça. Ah. Une, deux, une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Pas mal, là. Là, on sent le guerrier qui défend son pont, là. Tiens, l'automode, il a pas voulu que tu écrives Gilgid à cause du mot buste.
C'était un petit peu exagéré quand même. Ah, les écrans, plus t'en as, plus t'en veux. Ah oui, carrément. Roger Vic, Slyrak et Adrox, merci beaucoup pour les follow. Alors, je l'avais déjà dit, il me semble. Hein. Romin, ZLR, Skyzok, oui, je me souviens. C'est bon, j'ai rattrapé mon petit retard. Je suis désolé quand je suis en train de poser des cubes, parfois je zappe. Toutes mes confuses au bot. Ah bah oui, oui, bah oui. Parce que bon, le mot buste, tout de suite, hein. Et Crunchy 666, très joli chiffre. Très, très joli chiffre. Et je dis pas ça pour rien. Ah là là là. Donc j'aime bien là, hein, j'aime bien. Ce qui manque, c'est peut-être un petit peu de torse, la queue aussi, il faut. Ça va. De loin, c'est assez. C'est assez sympa quand même. Bon, c'est pas une statue super impressionnante, mais. Mais le thème y est. Alors surtout, elle est pas texturée du tout. Ça on va pouvoir apporter beaucoup, beaucoup de détails avec tout ce qui est texture. Oh oh, Ariel. Les modos peuvent accepter les mots sanctionnés, tout à fait. Et coucou. Coucou Sam. Ariel, presque. On a décidé qu'on ferait la version masculine. Donc du coup, c'est un tout petit peu plus... comment dire, ça me paraît bizarre là d'ailleurs. Je me demande si je devrais pas baisser ça. Oui, une version un tout petit peu plus combattante. Donc un homme avec une lance. Je la ferais bien un petit peu de travers, mais c'est vrai qu'à cette taille-là, comme on n'a pas une définition folle, je me demande, on devrait presque utiliser du quartz, je pense. Je pense que ça rendrait mieux. Et tout à fait, une femme peut se battre. Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors là, je dis que c'est un homme pour éviter de partir dans une chevelure, d'être obligé... Mais je peux très bien. Hein. On pourrait très bien effectivement ajouter une chevelure. Il y aurait moyen, je pense. Mais bon, à cette taille-là, c'est vrai que c'est pas le top. Ça va là, c'est correct. Ariel, eh oui. Devilek, exactement, Aether Star. Les flammes de l'enfer. Après, non, là, mon but, c'est que, vu que toutes les fortunes et les âmes de quasiment tout le monde sur le serveur m'appartiennent, moi, le but, c'est qu'ils prospèrent, puisque comme ça... Plus il gagne, plus ma fortune s'étend. Et oui, en plus, une femme peut avoir une chevelure d'homme. Exactement, au crâne. Bien sûr. Donc on va tout de suite lui retirer ça. Et lui raser le crâne. Hop. Comme prévu. Voilà. Impeccable. Là, au moins... Tout va bien. Donc si c'est ouais, homme ou femme, je pense que le mieux,
Ici, en fait, je peux pas poser un bloc pour rendre le bras un tout petit peu plus, tout petit peu plus costaud. Je peux peut-être faire quelque chose comme ça. Comme ça. Ah, c'est pas mal, là. Puis à ce moment-là, hop. Là, on peut se dire que c'est... On sait pas si c'est une poitrine, s'il a des bons pectoraux, ou... C'est à peu près ça, hein. On essaye de faire un non-genré, voilà. On va retirer la lance, ça va peut-être mieux nous aider à voir la forme. Je pense que c'est quand même mieux de l'étendre le bras comme ça. Bon. En tout cas, j'aime beaucoup la position. Parce qu'on s'attendrait à avoir quelque chose de très, très droit, très posé. Là, quand on regarde de ce côté-là, le déhanché est quand même sympa. Ou de face. Très penché en avant comme ça, je trouve ça chouette. Peut-être l'arrondir un tout petit peu, je sais pas si on peut baisser ça. Je trouve ça assez fun en fait. Prismarine pour le trident, ouais, c'est pas une mauvaise idée, Fredo. Et un bouton pour le nez. On en est à ce niveau de détail. Allez, soyons fous. On le met où? Alors, là, ça fait cyclope un peu. Hein. Bah, cyclope, remarque, on a. Qu'est-ce qu'on pourrait poser? Tuc 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 tuc. Ça. Oula, ça serait peut-être mieux. Ah voilà, parfait. On est bon là. Ouais, je suis assez fan. c'est impressionnant. Ça fait tout, hein, ça change tout. Qui c'est? Une licorne. Une licorne. Licorne, triton, sirène, non genré. Voilà. On est au top. Ce bras là, il va falloir l'étendre un peu, je pense. Même lui, hein, c'est un petit peu short. Mettre les mains dans ce sens là. Faire peut-être le biceps un tout petit peu plus. Ah voilà, là c'est là ça change tout là. Alors, qui a parlé de Prismarine? C'était une bonne idée ça, je pense. Hop, c'est Fredo. Prismarine, on va prendre du comme ça. Ou du cobble, je sais pas trop. Essayer avec le cobble pour l'instant. Peut-être les escaliers aussi. Tac. La corne de licorne, c'est parfait. Donc on aurait... Deux. Il est bizarre ce bras là.
fait, il devrait être plus comme ça, je pense. Ce serait mieux. Hein. Hmm. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilgin, pour le resub. Deuxième mois d'abonnement pour le Prime. Merci, ça fait super plaisir. Bonne question, elle est censée prendre place à quel endroit cette merveille? Je pense vers les ponts, en fait, à l'entrée d'un des ponts. On verra. Je suis pas sûr encore. Là, j'avais juste envie de faire des statues ce soir. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien la dynamique, en fait. On avait dit peut-être se lancer dans du quartz. On va partir sur quartz brick, bloc de quartz classique. Je vais garder la corde de licorne, quand même. Ça, on retire. Smooth, non. Je vais prendre du quartz classique, comme ça, on va avoir quand même les blocs. Et je vais essayer de lui donner un peu plus de détails. Vu qu'on a la forme générique là. Un, deux, trois. C'est assez long là. Ça me paraît pas mal. Je vais peut-être lui retirer sa corne quand même. Bon, les boutons, ça passe pas trop, hein. Alors, ce qui est bien avec le quartz, c'est qu'on va avoir un petit peu plus de choix de matière pour éventuellement ajouter un peu de détail au niveau du visage. Mais c'est pas trop gênant de pas forcément avoir de détails. Ça dépend des moments. Pas convaincu par le prismarine. Hein. Il est ça, c'est ça. J'aurais mis un bouclier. Au bras gauche. Donc en gros... Oui, là en plus j'ai mis des blocs, hein, donc... 1, 2... On peut faire ça. Hein. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bah, ou juste 2, tiens. 4. 1, 2, 3, 4. En gros, faire ça. Et avec ce bras-là, faire autre chose, en fait, avec l'autre bras. Peut-être même contrebalancer par là. Comme ça. Et là, du coup, mettre un bouclier. Quelque chose comme ça. Bon, vaguement, hein, parce que là, c'est que des blocs, mais... C'est vrai que c'est pas mal, hein. Non, pour de vrai, les Zorstar, ça me fait l'effet, le même effet, en fait. Parce que tu as... on est vraiment entre le bleu et le vert, hein, donc ça dépend des moments. Et alors, tu as un effet qui est très sympa dans Minecraft, c'est que tu sais où est le nord et le sud, et l'est et l'ouest... En regardant n'importe quel bloc, hein, mais le prismarine également. En regardant n'importe quel bloc, en fait, moi je sais que là on est orienté est-ouest et là nord-sud, même si je sais pas trop où je suis. Pourquoi ? Parce que tu as la face est et ouest qui est toujours sombre et la face nord et sud qui est toujours claire sur un bloc. Et ça, où que tu le places, la façon dont tu le places, peu importe. Hein. Tu as toujours le côté est-ouest qui est sombre comme ça, un peu plus sombre, et nord-sud qui est un peu plus clair. Tu vois? Nord-sud, clair. Et alors, avec la prismarine, du coup, tu as les faces claires qui ont l'air d'être vertes. Enfin, qui sont un peu bleutées, mais un peu vertes. Et les faces sombres, qui, du coup, vu qu'elles sont un peu plus sombres, on a l'impression qu'elles sont un peu plus bleues. Ah, et ça... Je verrais bien une tête de Steve au sommet. Ouais, pourquoi pas? Smiley. Ça fait plus guerrier, ouais.
C'est vrai? Vous aviez jamais remarqué ça? C'est un grand classique, hein. C'est moi, je suis jamais trop désorienté. Peut-être que dans la vie, c'est parce que j'ai été scout, mais le nord, le sud, je me repère à la mousse des arbres. Mais ouais, nord-sud, c'est facile à repérer grâce au côté clair. Là, maintenant, vous aurez plus d'hésitation, hein, quand vous voyez le côté foncé. Vous savez à peu près que vous êtes dans l'orientation est-ouest. Eh ben, c'est cool. On apprend toujours quelque chose sur les lives de Davlek. C'est normal, tout va bien. Ah là là. Je pense qu'on va... passer tout ça au quartz. Essayer de se faire un truc propre. Smithies qui arrive sur le serveur. Donc, ça me semble pas mal au niveau de l'orientation. Donc tout ça, on va garder. Tac. Est-ce qu'on raccourcit un tout petit peu ici? On pourrait raccourcir ça là. Hop, ça, les blocs, on les remplace par des escaliers. Avec une statue de cette taille-là, on devrait avoir quasiment aucun bloc. Hein. Tout devrait être vraiment remplacé par des escaliers pour avoir un maximum de... tiens, d'ailleurs, ça serait pas mal, peut-être, d'avoir un truc un peu plus soft ici. Pour avoir un maximum de détails, en fait. Hein. Peut-être... là, ici, on devait repartir un peu dans ce sens-là. Et avoir quelque chose. Quelque chose comme ça. Ou un peu plus haut. Vu la taille, ça me semble pas mal, hein. Il faut vraiment des belles nageoires. Non, on voit la transition ici, c'est pas bon ça. Ou juste ça comme ça. Moi, ouais, c'est pas mal comme ça. Impec. Ce qu'on aurait pu faire en utilisant une autre matière, c'est jouer sur la texture écaille. Par exemple, cette matière-là, la prismarine, elle est pas mal pour ça. Jouer sur le côté écaille. Pour l'instant, on va s'assurer de la forme générique. Ça me semble pas mal. Oui, c'est là depuis l'origine de Minecraft, hein, tout à fait. Et salut, Azog. Hello. Comment ça va? Ce petit dimanche soir posé. Hop. Et la reprise de la semaine prochaine. Dès demain, une nouvelle semaine. Ah là là. Je verrais bien plutôt au même niveau ce truc là. Peut-être comme ça pour apporter un peu plus de rondeur. En fait, je redescendrais tout d'un bloc, je pense. Hop, là on fait la contrepartie. Ça comme ça, c'est pas mal.
Tout est une question de ligne hein, et de courbe. Hein. Là, on va pas être dans quelque chose d'hyper détaillé, mais... Je pense qu'on va quand même avoir un truc sympa. Alors ça fait un creux là du coup. Et là bah du coup, hop. Non. En termes de forme, je pense que c'est l'idéal comme ça. Je vais lui retirer le bouclier pour l'instant. On va voir ça. Tac. Ouais, tout ça, je le redescendrai bien d'un bloc en fait. Donc, bloc, escalier. Voir ce que ça donne. Bloc. Pas mal ça aussi. Parce qu'en fait, on va avoir quelque chose d'un tout petit peu plus compact et de plus sympa, je pense. Tac. Beaucoup mieux. Il a l'air comme ça un tout petit peu plus costaud. Oh, un peu trop. Là en fait c'est l'estomac en fait qui était gonflé là. C'est pas bon. Pas ce qu'on veut faire. Ah, c'est pas mal là, c'est pas mal. Hop, du coup, ça, biceps, tac. Poum, 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 poum. C'est mieux, non? Ouais, là, on a vraiment, vraiment cette sensation de mouvement. On dirait un hippocampe. Ok. J'en ai déjà fait un hippocampe. C'est... Ah ouais? Pour... Hop là. J'ai pas vu le chat. Et non. Eh oui, la nouvelle semaine, pas pour ceux qui doivent rester isolés. Ah, vous êtes beaucoup, là, à avoir le Covid, là? Vous êtes nombreux? Non. Mince. Normalement, oui. On doit être pas mal, hein, être positif. Moi, pour l'instant, je touche du bois. Ça ne m'est pas arrivé encore. Hop. Non. Pas, ah, bon, Fredo, pas positif déjà. Je sais pas si je devrais pas... de remonter un petit peu. Oh. Parce que là, ça me plaît pas le fait que ce soit tout droit comme ça. C'est juste ce côté régularité. C'est trop régulier en fait.
Bon, je vais voir. Théoriquement. On doit avoir quelque chose comme ça. Je verrais bien le bras qui revienne un petit peu. En fait, faut faire, quand on fait un bras comme ça, il faut juste s'assurer de faire une coupure. Donc, un endroit un peu plus fin entre l'avant-bras et le reste du bras. Il faut juste s'assurer d'avoir cette petite coupure-là pour pouvoir faire l'espèce de la transition. Qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un poteau, quoi, d'avoir un truc... Tiens, il pourrait d'ailleurs avoir le bras qui remonte comme ça. Hop. Non, c'était pas mal en fait. De toute façon, là, ça va être complètement verrouillé. Alors, par contre, le bouclier, je le ferais bien d'une autre texture. Il va falloir lui donner un peu de détails à ce bouclier. On peut pas le laisser en bloc comme ça. Oui, c'est ça, Gilgin, exactement. Marquer l'articulation. Bon, là, il y a trop de régularité. Alors, c'est compliqué, par contre, de donner de la profondeur à un bouclier comme ça. Je sais que c'est beaucoup plus facile quand on le fait un peu en diagonale, mais là, c'est pas trop le sujet. Hein. Ah, il est trop gros. Beaucoup trop gros. Il faut vraiment le petit bouclier. Tac, tac, tac. Et par contre... Par contre, il faut du détail là. C'est pas possible de le laisser comme ça. C'est mieux déjà. Je le décalerai en fait. Je pense que je décalerai tout même. Tac. Qu'il est plus près du corps. Au niveau de la position, c'est plus réaliste.
Ça fait trop ça fait trop là. Je pense que c'était pas mal juste avant comme ça. Qu'on ait l'impression que les épaules sont un petit peu. Cette épaule là en fait doit être plus impressionnante juste à ce niveau là. Parce qu'il a le bras levé en fait. Plus on a le bras levé, plus l'épaule s'arrondit. Donc je pense que là ça va. Hey, salut The Prof de Basket. Qu'est-ce que je fais de beau? Alors, il y a eu un grand débat sur savoir ce que c'était. Qu'est-ce que tu en penses? Tout simplement. Qu'est-ce que toi tu penses que c'est? Attention, question piège. Qu'est-ce que c'est? Hey, salut, Vomine. Oh, belle icône. Salut à toi. Hello, hello. Alors. À ton avis. Est-ce qu'il est beau dans toutes les directions? Vraiment, j'aime pas ça. Hein. Ça, là. Escalier. J'aime pas du tout. Mais je crois pas que je puisse... que je puisse le casser. Ah, c'est un petit peu mieux. Ce bras est impressionnant. Hein, quand on le regarde comme ça. Alors, je suis en train de tordre le poignet. Alors, une réponse. C'est quoi comme statue? Salut, Aéronide. Une sirène. Presque. Papa Tango, hein. C'est Huitreman. Huitreman, c'est pas mal, ça me plaît. Alors, on était parti sur une sirène, effectivement, avec une jolie petite queue de sirène, etc. Et puis on est parti sur peut-être un homme sirène, donc un triton. Visiblement, techniquement, c'est le nom. Hop. Je vais juste refaire ce que j'ai fait il y a 5 minutes. C'est-à-dire, je vais rehausser. Je vais rehausser le corps, je pense. Je pense que ça va être plus raisonnable pour régler ce problème de... Hop. Hop. Et hop. Alors, ça, tout simple, hein, je copie une zone et je casse la même zone en dessous. Donc là, je recopie. Tac. Je copie ce qu'il y a juste en dessous. Et après, je casse. Je remonte le bras aussi, ou pas? Ah oui. Tac. Ça je peux supprimer, je vais juste remonter aussi le bouclier, hop, faire des éléments de guerre d'une autre couleur, bouclier, arme et casque pour mettre en évidence le triton. C'est pas une mauvaise idée, Papa Tango, et effectivement peut-être même la queue de sirène. Qui pourrait avoir un... Un élément comme ça.
Tac. Je pense que ça va donner un élan plus sympa. Ouais, c'est mieux. Hein. Ça marque mieux la taille, en fait. C'est ça qui me manquait, là, quand j'ai tout redescendu. Je pense que... Tac. Bon, peut-être un peu trop marqué, là. C'est tout ou rien. C'est raisonnable, ça. Ouais, c'est pas mal. Ah, bien. Ouais. Je trouve, hein, au niveau de l'élan, au niveau du mouvement, on est pas mal. Et alors, l'idée, ce serait peut-être... Alors, c'est une super idée, ça. Slash projet. Ah, Grand Frit qui a trouvé le... Je suis assez fier, hein, je viens de les rajouter, ces commandes-là. Donc, on va essayer en Prismarine, je pense. Et en Prismarine, j'ai également le Wall... Et je me demande si je pourrais pas faire quelque chose comme ça. Le rendre un tout petit peu moins agressif. Ce serait où la base? Ce serait ici. Hein. Sachant qu'on a moyen, avec le debug stick, de déconnecter les walls, on pourrait avoir un trident assez sympa. Je sais pas trop comment on fait d'ailleurs. Si on doit pouvoir le faire. Tac tac. Hop. Copie. Et si je le paste ici, ça devrait. Oh, wow, 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 wow. Past. Ça devrait le déconnecter. Past. Ah oui, d'accord. C'est lui peut-être qu'il faut que je fasse un... Past. Past. Voilà. Past. Ah, c'est rigolo ça. Raté. Voilà. C'est pas mal, hein? Là, ça commence à poser. Hein. Ah, Papa Tango, c'est une super idée. Il est où ce paratonnerre? C'est dans les nouveaux blocs. Il est là, Lightning Rod. Mais alors, est-ce que ça ferait pas moche en haut? Je suis pas sûr. Ouais, ça fait moche. Dommage. Dommage, dommage. Ou alors, faut le faire en cuivre, mais en cuivre, on n'a pas de wall. Donc, voilà. Bon, vous savez pourquoi, maintenant, les gothiques passent autant de temps sur le créa. Alors, ici, ça pourrait être sympa. Est-ce que je peux mettre des walls? Non. Au milieu, je peux en mettre un, je pense. Je peux jouer aussi sur les blocs. Comme ça apporte un tout petit peu de... Tout petit peu de variation au centre. Je peux jouer sur le cuivre aussi. C'est dommage qu'on n'ait pas des walls en cuivre, je crois pas, hein. Non. On a ça, les fences.
Mais non, la différence est trop importante. C'est dommage. C'est vraiment très dommage. Tac, tac, tac. J'avais dit quoi encore? Oui, donc on a le copper. Ça, non, ça colle pas. En wall, on n'a pas le prismarine en brique. Alors ça, c'est bizarre quand même, Mojang. Hein. Ils nous font des walls en brique de certaines choses et pas d'autres. Il y a le prismarine en cobble, comme la cobble. Mais dès qu'on a de la cobble brique, on n'a pas la prismarine brique. Bon. Pourquoi? Pourquoi, Mojang? Aven, tu penses? Un peu de dark? Si on veut... par exemple, prismarine, le dark prismarine, on n'a pas de wall. On n'a pas de wall en dark prismarine. Et en wall... en wall blanc, on n'a pas de quartz. Hein? Il n'y a pas de wall en quartz. Pas fan en fait. De toute façon, je voulais remplacer déjà ça et ça. C'est pas mal au niveau du bouclier déjà. Et si on veut le faire vraiment rond, on peut faire ça. J'aime beaucoup. Ah, Mojang. Exactement, Fredo Leouf. Mojang, parfois, ils font des trucs... C'est bizarre. Hein, très bizarre. Très, très bizarre. J'aime bien, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose. On peut lui faire une... On revient hein, sur notre licorne triton non genré. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. Ah, tu vois? Speedy Twitch, tu préfères comme ça avec la corne ou avec le bouclier? Après, si on veut le faire un petit peu plus badass, on peut... non. Et Mayuko, qui rejoint le serveur. Oui, le bouclier, bon, pas la corde. Ah, impeccable. Après, il y a une grosse difficulté de cette taille-là, c'est le visage. Clairement... si je veux quelque chose de détaillé, il va falloir... les walls permettent de réduire un petit peu la taille de certaines choses, mais ouais, si je veux faire un casque, ça va être chaud, quoi. En diagonale, parfois, ça aide.
Mais et c'est tendu, hein. Faire un truc un petit peu... Alors ça, c'est pas mal pour le haut, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu crête. Bon, on n'est pas jusqu'à côté aileron de requin, mais bon. Non, ça va pas du tout, hein. Pas évident. Peut-être le bas du corps d'une autre couleur. Oui, oui, tout à fait. On pourrait éventuellement passer l'intégralité de la partie queue de poisson, en fait. En prise marine comme ça. Mais en fait, j'aime bien le côté statue. Assumer le côté statue avec du marbre. Et peut-être juste quelques éléments de cuivre sur la statue. Après, pour le visage... Pour le visage, j'ai un doute. Je pense qu'à cette taille-là, ça va être compliqué. Par exemple là, on peut avoir quelque chose qui va être sympa de ce côté-là. Donc on pourrait faire une sorte de casque comme ça, de masque en fait. Mais ça va être super chaud de le récupérer de ce côté-là, quoi. Ce côté-là, oh, c'est pas choquant de ce côté-là non plus. Mais là, ouais, c'est de face en fait que ça va faire bizarre. Un bloc, c'est trop fin. Deux blocs, c'est trop épais. Trappe d'or sur les côtés, pour faire les côtés du casque, ça peut être une super idée, ça. C'est ce que je viens de dire, en plus, que c'était trop fin ou trop épais. Ça peut être une super idée, effectivement. Trappe d'or, ça peut le faire. Ça peut faire un peu de tête de poisson. Ouais, c'est trop épais là. Trappe d'or, super super idée. En plus, on doit en avoir donc en warped.
On a ça également en warped. Alors, on a vu que c'était un peu plus sombre, donc il va falloir l'utiliser avec parcimonie. Ah. Hop là. Waouh, très rock'n'roll. ça fait... Alors j'aime bien la crête parce que effectivement ça peut faire effet un petit peu poisson quoi. Mais Trapdoor en warp, ouais. Il a un scaphandre, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que les hommes poissons ont besoin d'un scaphandre? J'ai un petit doute. Alors est-ce que ça... On sait que la solution, ça va être dans les escaliers. Hein. Instinctivement. Ah là 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 là. Bouton en bois bleu, par contre, hein, si tu veux rajouter du détail. Ouais, ouais. Alors, bouton en bois, je pense pas que je puisse les ajouter... sur des escaliers comme ça. Il va falloir que je pose un bloc, si je veux. Et si je... Ah, ça fait très poisson, là, pour le coup. Ah, c'est très sympa, en fait. Non, 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 j'aime beaucoup. Et le fait que les yeux soient sur les côtés comme ça, ça... Alors ça, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, du coup. Mais ça apporte vraiment le côté... Les yeux sur le côté, ça apporte vraiment le côté poisson. Nemo, c'est ça. Ouais, c'est particulier. Hein. Non, je pense que ça, ce serait mieux en fait en vrai prismarine, en cobble. Hop. Prismarine classique, ça s'appelle pas cobble du tout. Hop. Là, ça va vraiment donner un effet très poisson parce que ça ressemble vraiment à des écailles, donc ça va être pas mal normalement. Bon, après, ça va devenir peut-être un petit peu trop cartoon au bout d'un moment. On fera demi-tour, hein, c'est pas grave. Et on s'arrête... On s'arrête là. Comme ça, comme ça. Peut-être celui-là. Et celui-là. On s'arrête à cet endroit-là. Non, celui-là, je le remettrai en blanc. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? Un Ender plutôt? Une perle de l'Ender dans un item frame invisible. C'est pas une mauvaise idée, ça. Une chaise à quatre pieds. Effectivement, je me suis pas fait de debug stick encore sur le serveur parce que c'est cheaté. Mais mais pour une statue, je crois que je serais prêt à me laisser corrompre. Tac.
Trop cartoon, hein. Trop cartoon. C'est délicat. C'est délicat et en même temps, la tête, faire une tête de poisson, ça va vraiment dans le thème, quoi. Aven, peut-être changer la dernière hauteur de queue de poisson dans une autre couleur, faire un style ceinture. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On peut rester dans le prismarine en plus. Ça peut apporter une légère variation. Alors, je sais pas si je fais les deux. Tac, 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 tac. Ça peut aider effectivement. C'est un petit peu trop. Et même celui-là, là c'est connecté. Là je laisse connecter en diagonale en fait. Hop. Ça permet d'avoir quelque chose de plus fin. En tout cas, la forme est sympa. La position est chouette aussi, je trouve. On a une espèce de nonchalance, quelqu'un qui est un peu adossé à son bâton. C'est rigolo. Après, le visage, là... Pff. En faire une espèce de monstre marin comme ça... C'est une idée, hein. On n'a pas de bouton blanc, le mieux qu'on ait c'est du stone. Parce que si je décide de remettre la tête en blanc, qu'est-ce que ça peut... Est-ce que ça peut permettre de l'intégrer un petit peu mieux? Faire une tête monstrueuse. On peut vraiment faire une tête un peu requin, hippocampe, on a le choix. tac. Quartz. Et donc bouton, ce qui choquerait le moins serait peut-être la stone, ou alors je reste sur le bouton bleu, hein. Quartz, on a des variations. Il y a peut-être moyen avec un pilar. Ah, on peut faire une tête un peu requin-marteau. Ça va devenir n'importe quoi cette histoire. Requin-marteau comme ça, c'est sympa. On est pas mal là. Euh...
Alors, les items frames invisibles, c'est avec un livre renommé. Alors, je ne me suis pas du tout intéressé, mes flowers, effectivement. Il faut renommer un livre, c'est ça? Et quoi, on clique dessus, un livre renommé? Ah bon? J'ai pas regardé. Ce que j'aime quand on laisse un peu vide comme ça, c'est que on laisse place à l'imagination. Après, on avait dit à un moment peut-être, peut-être faire une coiffure ou. Hop, parce qu'après tout, rien ne lui interdit d'avoir les cheveux longs. Tu mets n'importe quoi dedans et tu signes avec statut en livre, d'accord? Oui, ça fait trop vivant, hein. Ça fait trop. Et je pense que l'effet cartoon vient beaucoup de la queue. Quand toute la statue était en blanc, sauf les armes, ça passait encore. Mais là, ça fait. Il y a sacrées épaules, hein, quand même. Ce bras-là, il est. J'en suis assez content. Il est impressionnant. Il se pose là, hein. Bim! Le gros triceps, bon biceps. Quand même, hein. Avec la coiffure, un portail ouvert pour les yeux. Je vois pas trop, c'est Adrox. Je vois pas trop, pas trop. Retour de Poséidon dans un boy band. C'est vrai. Ça fait boys band là un peu. Ouais. Si on laisse juste la ceinture, mais qu'on lui redonne une allure un peu plus. Ceinture, ça le fait pas non plus. Soit on met tout, soit on met rien. Après, ce genre de truc, je peux y passer des heures, donc il va falloir s'arrêter un moment. Ça fait plus plat, hein, quand même. Hein. Mais ça fait moins moins cartoon. Après, on peut faire comme pour les hippocampes, c'est-à-dire faire une variation de différents blocs pour le rendre moins bizarre, quoi. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça en termes de texture. Et puis, on verra ça avec les. Hop là, avec les copains. C'est là que je l'ai mis. Touk, 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 touk. Normalement, j'ai des slabs ici. Mais je pense que c'est plus sérieux quand même. Et là, pour le coup, même avec les cheveux, ça fait un peu moins bizarre. Pourtant, la chevelure est très. Boys band. Enzo Derti, salut. Oui, je suis sur le Summer World. Je préfère en blanc.
On peut s'imaginer son sexe, les détails, tout ça. Ouais, tout à fait, Papa Tango, exactement. D'ailleurs, merci pour le follow tout à l'heure, je suis pas sûr de t'avoir cité. Merci beaucoup. T'as un village. Ah, sur le serveur, non. On peut avoir un village sur le serveur. J'ai pas trop suivi. J'ai pas trop suivi. J'ai pas suivi du tout. Je suis sur la zone. Alors, c'est vrai qu'à certains emplacements, il est un petit peu bizarre en termes de forme, là. Par exemple, quand on regarde sous cet angle-là uniquement. Et alors, c'est pas évident de se tenir debout pour un poisson comme ça. Je sais pas ce que ça donnerait si j'orientais sa queue comme ça. Est-ce qu'il serait moins tordu ? Non, ça fait bizarre. Il a vraiment besoin, comme il est penché très en avant, il a vraiment besoin d'un appui en fait. Et ce qui équilibre le fait qu'il soit penché sur son bâton, c'est ça, c'est la queue qui... J'ai quand même l'impression qu'il est un petit peu trop penché, non ? Non, c'est pas choquant. Enzo Derti, ah, bienvenue. Merci pour le follow. T'as quoi dans les tons blancs à part le quartz ? Bloc d'os, diorite, on utilise beaucoup de diorite aussi. Ah oui, c'est vrai que... Alors, je vous ai pas dit, mais là, pour l'instant, j'ai absolument rien rajouté en termes de variation, mais à terme, effectivement... On devrait peut-être avoir... Alors, diorite, c'est particulier. Je préfère pour ce genre de choses la diorite... diorite plaine comme ça. Parce qu'en fait, plus vous multipliez les blocs comme ça, plus ça va donner un peu de vie. On a aussi, surtout, en blanc comme ça, la calcite. Le problème de la calcite étant qu'on n'a pas de version... escalier, dalle, etc. de calcite. Donc en fait, en blanc, escalier, on va avoir que du quartz. Quartz stairs. Quartz, on a du smooth aussi, normalement. Le bone block, ça va pas être top, hein, je pense. Quartz. Smooth, le smooth aussi, on peut l'utiliser en variation par rapport au quartz classique. Mais en fait, la différence n'est pas folle pour le smooth. Hein. Par contre, la diorite, ça va être un peu plus impressionnant. Si on apporte des variations comme ça, on va pouvoir donner un tout petit peu plus de caractère à la statue. Ça va pas changer... enfin, quoique, avec le quartz, là, c'est un peu particulier. Hein. En fait, il faudrait quasiment tout remplacer, là. Oh, ça lui apporte un petit peu... Oui, tout à fait, je suis d'accord. Parce qu'on a fait ce bras-là... En fait, ce bras-là, on l'a refait ensuite. Donc, ils n'ont pas tout à fait la même taille. Lui, il devrait être plus costaud, je pense. On l'avait pas suffisamment travaillé, je pense. Hop.
Après, si ce bras-là, en fait, revenait... parce que ce qui fait qu'il paraît un petit peu de travers, c'est... Je lui laisse ses cheveux ou pas? C'est pas choquant, hein? On s'y est fait, non? Ça, c'est de la mèche. Ouais, on s'y est fait un petit peu. Le bouclier en diagonale. Ouais, hein, les cheveux, honnêtement, je les ai fait pour rire. Mais on s'y habitue un peu. Hein. Waouh. Le bouclier en diagonale, ça pourrait être topissime. Après, là, on avait vraiment un bon, beau design de bouclier, je trouve. Donc, si en diagonale, ça le fait pas, on aura toujours moyen de le récupérer. J'ai l'impression qu'on le gère pas trop, ce bras-là. Hein. Qu'il y a encore du taf, en fait. Hein. C'est ça en fait, il fallait qu'il lève le bras un peu plus. Je pense, hein. Je pense qu'on est, en termes d'équilibre, on est au niveau des épaules sur quelque chose de beaucoup mieux avec le bras un bloc plus haut en fait. Alors là, c'est soit on le fait venir comme ça. Avec le biceps qui va se retrouver ici. Raté. Ok. En fait, non, il devrait pas être diagonale, il devrait être droit en fait. Lève les bras. C'est ça, Priscilla. Ouais, c'est ça, lève les bras en l'air, exactement. Ah, je vois, au moins, Peg, voilà. Ça fait un petit côté mystérieux, sympa, non? Et salut, Félox. Et salut, Babouin. Bienvenue, merci pour les follow, c'est super gentil. Ah là 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 là. Quelqu'un pourrait m'aider à faire un cercle magique. Tiens, si vous avez envie de faire un cercle magique, connectez-vous à Sama, au Super Sama World. Il y a Choucroute qui a besoin de vous. Au bal masqué, ohé ohé. Ah là là. Ouais, non, en termes de blocs, je pense que on a le quartz qui pourrait avoir des symboles sympas pour le visage. C'est le... pas le brick, le chiseled, peut-être.
Ça fait cyclope, hein, du coup. Rajouter des blocs comme ça peut sembler bizarre, mais si on en met vraiment beaucoup et que c'est bien, bien ordonné, à un moment, ça, il va y avoir une espèce d'unité assez amusante. Bon, là, on n'a pas une palette folle, mais... C'est vrai qu'elle est bien cette playlist quand même. Hein. C'est sur YouTube. Ah oui, quelqu'un m'avait demandé de la partager. Si je regarde en Prismarine, ça j'ai bon. Ça s'appelle. C'est une heure de Celtic. Comment elle s'appelle cette musique? Que des musiques libres. Celtic Fantasy, je crois, ça s'appelle. Hop, je vais essayer de vous retrouver le lien. Celtic Fantasy Music Dark Ambient.